chaque fois qu'on a été en groupe, des fois, il y a des gens qui viennent défier, ouais. Je suis là. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Genre, à Camin sur Mer, on se voit trop au même endroit et comme ça, on se fait défier dans tous les sens. Ah bah tiens, regarde, il me défie moi aussi, là. Bloquer l'utilisateur pour vous empêcher de vous contacter. La violence. On veut pas connard. Allez. Ouais, on va combattre le rival. Yes. Mais je t'emmerde, mec, il me redemande. Allez, c'est parti. On n'a pas le temps de niaiser. Ah non, moi personnellement, l'eau est servie, la bière est servie, tout est servi. Ah, fait du bien, par où ça passe. Ah, par contre. Moi, j'ai changé les attaques de mes Pokémon, tout ça. Normalement, tout est prêt. Impressionnant quand même, ouais. Quand t'as pas les EV, c'est assez impressionnant comme la différence. Hein. Mmh. Ah. Déjà, j'en ai fait un petit peu de V là, parce que là, j'ai vu, j'avais mon Altaria et mon Givrali en attaque space, ils avaient que dalle. Donc j'ai fait... donc, c'est sûr que ça alors, aiderait. Je vais prendre des baies. Alors, tout ce qui est attaque physique, je dégage. Sauf qu'ils avaient quasiment tout en physique. Comme ça, j'ai mis un peu d'attaque space quand même, histoire d'avoir quelque chose de moins dégueu. Ouais. Moi j'ai pas fait parce que en totalité parce que c'est long mais j'ai amélioré un peu le truc quoi. Oh, il a la trouille. MDR. Non mais surtout que mon Togeki, non seulement il a 60% de chance d'apeurer, mais en plus il a un rasoir. Donc si tu veux, mes chances d'apeurer sont encore plus élevées. La violence. Il faut bien ça pour compenser hein. Ça c'est pour ce qui ment, ça va. Oh bah, pas très inquiétant. Là, oh bah là, il est level 49, ouais, c'est pas. Pas très très inquiétant. Non, ouais, hein. Oh, close combat le bâtard, d'accord. Bon, si tu veux, hein. J'ai toujours ma pièce rune de l'autre fois d'activer, moi, j'ai pas fini. Pingaléon. Et par contre, en vrai, c'est quand même une connerie d'avoir laissé le fait de devoir enlever ses CS par un mec à jolie berge. Parce que si tu changes de région, bah tu passes plus par le mec. Donc soit t'as le choix d'aller dans une autre région, d'apprendre tes capacités comme tu veux, soit t'as le choix d'aller payer 5000 Poké-Dollars à chaque fois pour changer tes capacités. C'est ça. Ce qui en choix est un petit peu dégueulasse. C'est chiant. Non mais bon, voilà. Mais quand même quoi, les mecs ils ont laissé ça. C'est trop bien pour l'enlever je pense mais. Bah vu que c'est incorporé dedans. Ouais non. Soit tu continues Vanilla sans tricher, sans retourner dans les régions d'avant, soit. Ah mais non mais on peut pas, enfin, c'est chiant. Bon après mais, je pense qu'on a déjà tous fait la ligue de cette région là avec des Pokémon spécial CS mais. Oui, mais c'était pas une ligue strat comme celle qu'on va affronter. Quoi. Encore, là c'est la. Enfin là, elle est pas totalement strat là. Elle est pas totalement. C'est celle d'après. C'est celle d'après. Vous n'avez encore jamais fait de ligue strat en post-game. Moi si. Et ça fait bobo. Préparez le Doliprane, préparez les bandages parce que ça fait mal. Après, c'est un bon défi. Hein. Moi, je dis pas. Voilà, alors, il est battu. Et moi je te dis, Franck, faut qu'on se le fasse un coup, tu vois, un défi où on se fait toutes les ligues à la suite. Tu voudras faire un contre-la-montre ? Un contre-la-montre, ouais, bah. Ouais, ça c'est balèze. Après, Didamèche, je sais pas, parce qu'il faut des Pokémon niveau 100 pour la faire, sinon t'es ouais, t'es c'est ça. Mais vraiment, là, c'est pas. C'est pas une blague, là. Déjà que les champions, c'est moyen, alors. Là, c'est les mecs ouais, qui sont. Ouais, bah, elle serait mort, quoi. Hein. Niveau 80, niveau 90, ouais, c'est. Mais même avec 10 niveaux d'avance, tu te. Fait éclater. Oh putain. Bon, je vais quand même prendre un petit screen de bon, une fois que terminé là. Lui, il me fait chier, je le bloque. Qui il arrête pas de me demander, le même. Enfin, je pense que c'est le même. Ah, je regarde pas son nom, mais il arrête pas de me demander. Ah, je le vois pas, moi, le même, là. Bah, c'est Alex Noscope, là. Non, c'est pas lui qui demandait, hein. C'est pas lui. Bah non. Allez, dernier Pokémon, ça se dégage. Ah, mais je suis con, moi. Non, là. Tranquille.
J'ai pas envie de... D'ailleurs, après, Franck, t'as envie de qu'on fasse un petit duel après la ligue ou... Si tu veux, avec nos Pokémon niveau 100 ou... Ouais, avec Pokémon niveau 100, ouais. Oh, si tu veux, ouais. Bah, non, ça, à part si Dames veut qu'on fasse encore une fois un combat entre... ces équipes-là, ce qui peut se faire aussi, hein, moi je suis pas contre. Hein. L'équipe Strat, je pense que Dynamis vaudrait mieux pas qu'il soit là. Ouais, non. Par contre, qui regarde, ça peut être une bonne chose, en revanche. Ouais. Bah, ce sera l'arbitre. Ouais, ce sera l'arbitre, ouais, pour dire. Pour dire, messieurs, s'il vous plaît, restez calme. Un peu de civilité, messieurs. Par contre, dégage, toi, t'es chiant là, tu gênes la photo. Le trou, les gens. Avancez-vous. Parce que là, tout sympa. Hop, voilà, c'est bon, il pourra pas m'avoir. Je t'ai eu. T'as été soigné, Dynamis, c'est bon. Ouais. Essen, c'est lequel d'ailleurs? Attends, j'ai transféré mes images. Pourquoi je suis qu'à 9 là? Je suis à plus que ça, moi. Oui, je suis à 16, voilà, je préfère. Toc. Oui, parce que j'ai 16 screens, mais du coup, vu qu'il y a le téléphone, le PC, tu vois. À côté, c'est en PNG, à côté, c'est en JPG. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Casse-toi, tu me fais chier. Il t'a demandé aussi. Voilà, allez, c'est dégage. Moi aussi, j'ai demandé quoi? On va, messieurs, merde. Hein. Non, on n'a pas le temps, là. Faut qu'on combatte. Allons-y. Allez. Tu as tous les badges de Sinnoh. Félicitations. Alors, premier tu champion, insecte. Donc, yes. Préparez vos Pokémon vol et feu. Ok. Et puis... Oh, cette musique. Tant. C'est tellement de souvenirs, cette musique. Oh putain. Tintin. Et puis la musique des combats, surtout. Oh là là. Ah, il a un peu bugué le Gugus, par contre. Ok, si ah ouais, ah ouais, il est moche. Il est bugué dans les airs et la tête est écrasée. Ou alors il a la tête penchée en avant. C'est magnifique. Mon Citayox d'amour, je vais te faire une cage éclair. Tout de suite. Mais il a commencé par Scarino. Moi, il commence par les Mega. J'ai l'avantage d'avoir un Pokémon insectacé, c'est que du coup, il a pas la résistance. Donc je peux quand même faire des attaques de type air, c'est plutôt pas mal. C'est quoi déjà ça? Lander, c'est quoi CSP? Ouais. Go! Oh, il résiste à un PV, connard! Et il a la trouille, chat! Ah, il a la ceinture force, le Yann Mega. Oh le bat! Il résiste à un PV! Dans le Yann Mega, c'est son Pokémon signature, hein, lui. Bah, jusqu'à là, c'est des. Ouh! Jusqu'à c'est des Pokémon que je connais, donc pas trop de soucis. Par contre, je sais pas si c'est comme dans les jeux 4G originels où genre ouais. Tu commences à un niveau et plus t'avances dans les champions et plus le niveau il augmente, tu vois. Je sais pas s'ils le font aussi parce que vu qu'on est limité au niveau 60 et je vois un Trainscore niveau 54, j'ai un peu peur. C'est marrant là, ouais, non. Non, il y aura vraiment que Cynthia qui sera level 60. Hein. À mon avis, même qu'elle aura peut-être des niveaux en plus, Cynthia. Ouais. Peut-être. Je pense je crois que c'est en Karchakra qui est level 58. Dans Platine, non, 62, je crois. 60-62 quelque chose. C'est dans Diamant et Perle qu'il est niveau 67 par contre, mais... C'est pas ah, vrai, y'a un bobo. Bah, Togekiss KO. Merci d'être passé. À la prochaine. Ok. Ah, là, il a vraiment toutes les faiblesses. Attends, on va setup un tout petit peu. Putain, bien sûr, ça m'empoisonne. Ah, bâtard! Putain, il est plus rapide, Sandrascore. Chaud. Attends, ce que je vais lui mettre là. Un petit lance-flamme bien boosté des familles. Miam, miam, j'adore. Ça va me faire chier, ouais. Là, il va me faire Plécroix ou des tricanons, un truc du genre. Un crochet venin. Non, direct toxique, il peut te faire. Ah, direct toxique, ouais. Oh, Yann Mega, c'est ouais, vrai. Il fait guérison. Mais il fait chier avec sa ceinture force, le one shot. Ouais, bon, ça, je vais j'ai la chance que le temps soit avec moi ou qu'il y ait des contre-coups à chaque fois au perso. Turbo.
Hop, j'ai gagné. Là, allez, là on shoot. Ah, il m'a attaqué avant, bâtard. Le petit con. Ok. Coup critique, bah oui, bien sûr. Non, le fait qu'il est turbo, c'est légèrement chiant. Et il nous soigne bien. Il nous soigne ou pas? Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Ça va, vous arrivez à gérer? Non, bah, ça va se faire, ouais. Moi, je vais bientôt terminer. On s'attend entre les champions ou... Ouais, je vous attends devant Terry. Du coup, il a ça a soigné? Ouais. Ah, ça me rassure. Alors, Terry... Généralement, il commence avec Hippodocus, mais bon. Ah, ça engueule son chat. Entre autres, non, mais en fait, si tu veux, mes chats, il vient, il se pose sur la couverture, il est bien, il est tranquille. Le problème, c'est que t'as l'autre. En fait, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et si la porte est fermée, il est en mode miaou pour rentrer et ressortir derrière. Donc si tu veux, c'est chiant. C'est totalement utile. Du coup, je viens de dire à ma mère, tu fermes la porte et tu laisses le chat dehors, s'il te plaît. Mais toi, t'es gentil, toi, Polo. Toi, t'es gentil. Et à ta place, la chaude, elle a pas bougé. Hein. Couverture est toujours là, au cas où. Ouais. Bon, il s'en fout, c'est un chat, tout ça. Ah bon, j'ai fait un peu une connerie, là. Bref, faut que je termine, moi. Putain, j'ai rien de super efficace, là. C'est sérieux? Ah mais je le one shot, ah d'accord. Ok, d'accord. Bon, pourquoi pas, hein. C'était pas prévu à la base, mais... C'est là que tu te rends compte que mon équipe elle est pas forcément très optimisée. Vu comment elle prend cher là. Allez. Allez mon gold Tinder. Je suis dernier là. Voilà. Happy Rent, ça dégage. Merci bien messieurs dames. Buvons un coup pour fêter cela. Allez, si tu pouvais dégager, s'il te plaît, merci. Voilà, c'est fait. Alors, ensuite, Terry. Yep. Cette chère Terry. Attends, la dynamite. Est-ce que Terry, elle est... Est-ce non, moi, je suis rigolote. Pardon. Passer le dialogue. Parce qu'elle Terry. Bah ouais, parce qu'elle est rigolote, quoi. T'es rigolote, Terry, t'as compris. Terry. C'est une blague de figuron, ça. Allez, je suis bon à Terry, là. C'est Figuron qui a fait la blague, je précise. C'est pas moi. N'empêche, je vais bien me marrer quand il va faire la ligue Pokémon sur Salty Platinum, parce que vu comment il se fait défoncer à chaque épisode, il va débarquer avec un trop de Pokémon, tu sais. Allez, début du combat, c'est parti. Oh, mais oui, j'aime voir 3 attaques sur 4 super efficaces, merci. J'aime ce que je vois. Ah, elle est pas buggée. Non, ouais, ça va, ouais. En même temps, faire bugger une posture comme ça, ce serait bien rang, quoi, si, hein. Allez, ça part sur un one shot. Non, bah non, fermeté, évidemment. Bah oui, ce serait trop facile. C'est qui a fermeté, par contre? Parce que moi, j'ai Rina Stock avant. Sûrement Steelix. Non, c'est le... Ah, je... C'est un problème, ça. Non, pas dans le jeu. Quoi, c'est pas Rhinastock qui ressemble à quoi? Non, c'est l'autre boule de roche là. L'autre boule. Ah, il va problème, ouais, c'est ça. Non, problème, c'est ça. Non, j'ai un doute, même ça.
Ah putain, c'est ici. Et évidemment, ça marche deux fois parce que et c'est soigné entre temps. Mais bien sûr. Allez, un petit marteau bois des familles et c'est parti. Alors, comment ça me blesse? Ah oui, d'accord. Ça fait bobo. Ouh, le toxique. Allez, Barbicha, c'est parti. Allez, ça dégage. Après, globalement, ça va. Hein. Pokémon du ciel résiste bien. C'est, ils sont EV, hein, ces Pokémon, c'est certain. Bah oui, c'est sûr. Mais ça va pour l'instant. Hein. Oui. D'ailleurs, des types sol face à un Torterra ou un Lagrou. C'est sûr que ça aide. Pourquoi j'ai fait guérison, merde. Mais non, il apparaît. C'est l'hypodokis cancer. C'est un hypodokis cancer. Moi, je l'ai buté. J'en sais rien. Ouais, je vais changer de Pokémon pour le one shot. Et un Barbicha. MDR. Mais c'est con quand même qu'elle ait plus son Marest. Hein. Parce que ça, c'était vraiment efficace pour le coup. Hop là. Ça dégage. Lala, lilala. Moi, je suis d'humeur joyeuse ce soir. Il a sa bière, il est tranquille. C'est ça. Je crois que c'est tout parce que j'ai la bière, justement. En plus, elle est vachement... Il manquerait plus que ce qu'il est cyclone et il serait... Oh, oui. Après, ils sont levés et tout, mais bon, c'est pas des Pokémon avec piège de roc, pico ou genre de choses, quoi. C'est pas plus insurmontable. Non. Là, je l'ai one-shot avec une attaque, c'est juste que mon autre Pokémon, il était pas assez puissant. C'est un Pokémon défensif, donc ça aidait pas. Moi, je suis devant le chaud bouillant, le chaud de la braise. J'arrive le bientôt. Le chaud du slip. Voilà. Face au mec qui a beaucoup d'envie de chaleur prononcée. Ça va dynamiser ton sort. Oh ouais, je suis en train de essayer dans les bœufs de cul, ça. Ça devrait pas être difficile. Hein. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est un peu plus les champions de type psy. Hein. Odin en tout cas, parce que c'est pas... Soit Archéodon en face, bon, c'est bobo. Après avoir. D'ailleurs, vous souvenez-vous la première fois que vous avez fait cette... Ouais. Mais mis à part Lucio, j'ai galéré contre personne. Quoique Terry m'avait peut-être fait chier. Hein. Ah ouais, mais c'était pas la ligue la plus chiante que j'avais combattue, moi. Parce que la ligue la plus chiante, c'était vraiment celle d'Owen. Avec Marc qui me faisait chier. Mais sinon... Bah, je sais pas, j'ai pas fait. Par contre, moi j'ai un beau souvenir, c'est d'avoir... Enfin, être arrivé face au champion. Ouais. Avec un Pangoléon. Un Dialga. Et d'avoir globalement fait tous les combats avec ces deux Pokémon. Ce qui fait que j'arrive face à Sega. Et à un moment, bah, j'ai plus de PP en fait. Ah! Et je gagne le combat en faisant lutte. S'il te plaît. C'était tellement épique comme. Mais je crois que les toutes premières ligues que j'ai fait, j'ai vraiment galéré parce que celle de Argent sous Silver derrière. Ouais. J'en ai chez pareil et j'ai eu un coup de chance monumental avec mon Lugia. C'est vraiment. Je dis, si. Je, mon attaque passe, j'ai gagné. Si je rate mon attaque, ou si je me fais tuer, j'ai perdu. Et là, je vous l'attaque, ennemi qui m'afflige, hein. Et je vois le PB qui chute à 7, à peu près en dessous de 10, à peu près, tu vois. J'ai fait, oui. Merci, hydrocanon, bam, Draco feu dégage. Ah là là, quel souvenir. Bon, après, par contre, j'ai plus jamais galéré, hein. À un moment. Pas déconner. Bah, moi, dis-toi que j'ai toujours été comme je suis maintenant, c'est-à-dire que je monte mes Pokémon 30 niveaux au-delà de ce qu'il y a besoin. Ah oui, mets-toi. Du coup, j'ai jamais eu vraiment de problème. N'oublie pas la règle. Empêcher le dieu Franck Huga d'utiliser ses Pokémon de votre doigt. N'oublie pas. Et tu vas voir, là, j'ai commencé le Pokémon Donjon Mystère DX. Là. Ah ouais. Et je sais pas si vous voyez l'aventure à peu près.
Bah je l'ai fait il y a longtemps, donc je t'avouerai que je m'en souviens plus forcément trop. Tu vois Ectoplasma quand le combat? Ouais, Ectoplasma, oui, je vois ça. C'est juste après, c'est au début, quoi. T'es niveau 15 normalement. Ouais. Bah je suis presque niveau 40 déjà. Non, mais tu sais que niveau 40. Allez, c'est... ça part sur chaleur. Niveau 40, c'est Rayquaza normalement. Bah c'est presque Rayquaza, et c'est presque un des plus hauts niveaux que t'as sur Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Hein. Ouais. L'ombre du temps aussi. Semble, hein. Ouais. En tant qu'adversaire, ouais. C'est. J'attends Vinamaze, vous l'avez fait c'est bon? Non, je suis moi. Ok. Eh bah c'est parti. Non mais je t'avouerais que je l'ai fait ce jeu. Hein. Mais c'était il y a tellement longtemps que là... Moi aussi ça fait un petit bout de temps, mais en général, les Explorateurs ça part pas très haut niveau... Enfin, niveau quoi. Ouais, moi j'ai plus souvenir de Explorateur du Ciel que vraiment... Ah bah Explorateur du Ciel, ouais, il avait marqué. Mais je l'ai fait, hein. Mais je dois t'avouer que là je m'en souviens pas des masses. Hein. Ça commence sur un petit tonnerre. Après, je sais pas, parce que je sais pas si l'aventure sur Switch. Si tu veux, je sais pas. Bah, ils ont modifié un peu de trucs à ce que j'ai vu. Mais après, bah, c'est la même trame d'histoire. Ça change rien, ça. Je crois que moi, le seul moment où je me souviens vraiment, équipe de secours, c'est un moment où tu dois fuir parce que tout le monde te court après en fait. Ouais, parce ouais, qu'en fait pour eux. Aria, je sais pas quoi, c'est... Non, c'est parce qu'Ectoplasma va dire que quoi, t'es. En fait, si t'es là, c'est à cause de toi qu'il y a le problème c'est dans le monde. Alors qu'en fait, toi tu es là pour sauver le monde. C'est parce qu'il y a le monde qui est en danger que t'as été amené. C'est pas parce que t'as été amené que le monde est en danger. Ouais. Sauf que les Pokémon ils comprennent ça de travers parce que Ectoplasma leur dit que c'est toi le problème. Ah, ça pour se quoi, venger. Plus, alors que c'est lui le Pokémon, l'humain qui a été transformé en Pokémon. Qui fout la merde. Mais bon, ça. La Magano il va me mettre une branlée. On va se barrer. Il a tonnerre en plus, fais gaffe. Ouais. Ah bah c'est parfait. C'est mal, hein. Ouais, mais contre la Gronde, on s'en fout de tonnerre. Ouais. Il a une herbe non, aussi. Il a psycho aussi. Aussi, ouais. Non, il a pas Neuherbe. Neuherbe. Oui, tu disais. Non, il a pas Neuherbe. Il a Tonnerre, Psycho, Lance-Flamme et autre chose, mais je sais pas quoi. Bon, toi, tu m'énerves, Maganon. Mongolmar. Cette défense de malade qu'il a, mon Tritosaur. Il a la trouille. Par contre, s'il me fait un tonnerre dans la gueule, je vais pas aimer. Oh, double ah, flic. Ah. Bon. Ça t'a viré. Ça doit arriver. Ce sont des choses qui arrivent. Putain, deux guérisons, bâtard. Bon, moi, ils ont fini. Allez, c'est fini. Champion feu, t'as fini déjà? Ouais. Eh ben. Putain, t'es rapide, du. Pour une fois qu'on est à la traîne. Ah, et moi en même temps, Maganon il fait deux guérisons aussi. Ah. Tu veux faire quoi? Eux ils ont le droit de guérison, pas nous. Enfin, pas nous. Si, nous droit, c'est rare pour nous, eux ils peuvent utiliser autant qu'ils veulent. Nous on le fait pas parce que nous sommes des gens aptes au défi, tu vois. Ouais, enfin, c'est pas comme si je l'avais fait tout à l'heure sans le vouloir d'ailleurs. J'ai voulu faire une potion max, je suis parti sur une guérison. Voilà, blesse-toi, hop. À faire sa guérison, non même pas. Moi il en fait pas des guérisons. Il le fait que sur son Pokémon signature peut-être. Bon le type 6 je vais m'amuser par contre moi. Je suis pas forcément sur l'efficacité mais bon. Est-ce que j'ai ce qu'il faut moi? Enfin, si, avec les... J'ai aucune attaque super efficace sur le type 6 en fait quand j'y pense. Ouais? Bah moi non plus. Si ouais, moi ça j'ai peut pas être flagrant mais bon. Moi j'ai mon Girelé avec Balombre, c'est tout ce que j'ai. Et j'ai un Pokémon qui est très faible face au type psy en plus. Après le reste ça devrait aller. Non, deux Pokémon qui sont faibles. Hop, vous êtes ok? À moi bientôt. Moi je suis devant lui. Je le termine, j'arrive. Hop là. Je vais... comment je peux faire ça? Alors, hop, communauté... Ce pochi. Allez, on y va.
Hop. Voilà. Allons-y. Je vais commencer avec Tritosaur, peut-être. On va commencer avec lui. C'est plutôt comme ça, moi. De toute façon, ça va pas faire une énorme différence entre elles. On va commencer par quoi? Alakazam. Galam chez moi. Et moi, je lui fais les pieds. Ah, mais commence par son Pokémon signature pour toi, c'est bien. Ça me fait penser, moi, cette ligue. Je l'avais refait un moment. Et j'avais chopé tous les Pokémon des dresseurs avec un cheat. J'avais un action replay. Classique. Et j'utilisais pour choper les Pokémon les plus puissants de tous les dresseurs. Les champions et la ligue, tout ça. C'est classique, ça. C'est classique. Du coup, ça terminait instant le combat dès que je chopais le Pokémon. Ça me faisait gagner. Tu pouvais faire n'importe quoi. Ouais, tu pouvais faire n'importe quoi. En plus, tu pouvais choper le Pokémon et faire en sorte qu'il soit shiny. Enfin, c'était l'époque de l'action replay, quoi. Ah bah ça, tu pouvais tout faire avec, hein. D'ailleurs, j'ai des Pokémon qui m'ont suivi et qui sont toujours là dans Pokémon Épée Bouclier. Oh putain. De ça. Oh, c'est pratique. Parce qu'en fait, ils étaient pas... leur EV était pas trop avancé ni rien, donc ils étaient pas considérés comme des mauvais Pokémon. Ouais, mais là... Tu vois, le truc, c'est qu'à mon avis, tu prends des anciennes versions, tu prends des cheats, tu prends les meilleurs Pokémon avec IV et tout, après tu les transfères. Et du coup, je me demande, est-ce que... Non, du coup, quand tu fais des matchs épée bouclier, genre match classé ou genre de choses, est-ce que ça compte comme un cheat, en fait, d'avoir des Pokémon qui ont été récupérés de manière un peu illégitime? Ça, je me demande, sachant qu'il y a eu il y a eu des vagues de restart de game. Enfin, ils ont fait en sorte d'effacer les données de ceux qui cheatent. La Pokémon Company, tout ça, là. Ouais, bah oui, après, voilà. Donc, ils ont... Tous ceux qui cheataient en ligne, leurs données étaient effacées, ils perdaient tous leurs Pokémon. Tu vois, ils les ont pas bannis, ils ont effacé leurs données. Donc, tous les Pokémon qu'ils ont importés de Soleil et Lune, tout ça, effacés. Aussi. C'est la violence. Ah, mais après, comment ils peuvent le savoir, en fait, surtout? Ça après. Si leurs EV, c'est il a 255 partout, alors que au lieu d'avoir 255 dans deux, là oui, c'est sûr. Mais après, c'est pas facile à savoir. Sachant que dans le jeu, ça dit pas attraper à Ligue Pokémon, mais attraper à Sinnoh, tout simplement. Il y a aucun moyen de prouver qu'il a été chopé par un cheat, quoi. Ouais. Après, peut-être qu'ils ont des données spéciales, je sais pas, dans le codage. Et c'est vrai que ça va pas être simple pour eux, quoi, ce niveau-là. Mmh. Et surtout quand tu vois le temps que ça prend pour pouvoir monter une équipe avec vraiment des IV des ultra optimisés, tu te dis que, allez, genre tous les 3 ans tu changes de jeu, donc tu changes de méta. Je me dis, putain, quand même, le temps que tu passes pour monter une équipe et qu'au final elle soit quasiment viable une fois qu'il y a une nouvelle génération qui sort, bah c'est ça. Et puis la plupart des gens, à mon avis, ils cheatent leur Pokémon sur les anciennes versions. Hein. Pour les importer parce que c'est obligé, sinon c'est trop difficile. Parce que même quand tu vois tous les gens qui ont des shiny, je veux dire, oui, mais la plupart des shiny c'est des Pokémon utilisés avec le logiciel. Ah oui, bah c'est sûr. Créé par le logiciel d'ailleurs, il est plus facile à utiliser sur Switch que sur PS. Il y a des gens qui en profitent, hein, moi je te le dis. D'ailleurs, il y a un truc horrible, c'est ceux qui font des échanges miracles en ayant leur nom et marqué sub YouTube à côté, tu vois. Et ils renomment du coup le Pokémon, et vu qu'ils te l'ont échangé, tu peux pas le renommer. Et du coup, t'as un Pokémon hyper puissant de simple, mais qui s'appelle sub tout machin truc. Et c'est hyper chiant. Moi, je l'ai relâché, ces Pokémon-là. C'est le monde, quoi, oui, hein. Surtout qu'on sait pas quels sont leurs EV et tout ça. Ça se trouve, ils ont 255 partout. Et c'est comme ça que la plupart des gens se sont fait ban aussi, enfin, se sont fait effacer leur partie. Ils ont reçu des Pokémon en échange miracle et ils ont utilisé. Hop, ils fassent un jeu parti. Génial. Ah, des gens qui avaient rien. Qui avaient rien fait et qui avaient sûrement apporté tous leurs Pokémon d'avant, quoi. Ouais, mais j'ai battu Lucio, je sais pas où vous en êtes. J'arrive. Moi je fais un petit peu de finir sur les Pokémon. Son arc Dong. Elle va commencer par quoi? Bah ça dépend. Ouais, c'est toujours ça. J'ai envie de te dire que dans Platine et Diamant et Perle, c'était Spiritomb qui l'idait. Ouais. Bon, je mets Roserade en premier au cas où. Allez, je dors un PV, c'est parti. Hop là, ça c'est fait. Bon bah écoute, on va valider avec Togekiss. Hein.
pour mon cas. J'espère qu'elle va pas lead avec son Lucario. Sinon, je serais obligé de changer de Pokémon. Par contre, je crois qu'il faut pas rentrer dans la pièce parce que sinon le combat. Non, ouais, j'attends devant. Pour l'instant, cette ligue, elle se passe plutôt bien. Je veux dire, comparé à Unis, pas tout à fait sur le même pied. Parce que Unis a été un peu plus dur pour certains. Bon, moi, je suis prêt. T'es chaud? T'es devant l'entrée? Ouais. Bah, c'est parti. Oh, cette musique! Le piano. Allez, c'est là qu'on va s'amuser vraiment. On commence par Milovius. Togekiss. Putain! Allez, Spiritomb. J'avais oublié celui-là. En plus, il n'y a pas le type fée, donc j'ai pas l'avantage. Ça commence par un bon Asterglace, ça fait du bien. Soul sur Milobelus, c'est intéressant. Mais je one-shot, bon, ça va. J'en étais sûr, c'est bien. Elle one-shot ou pas? Non, c'est bon. En plus, elle peut même flitch, je suis plus rapide qu'elle. Elle va mourir au cario, j'imagine. Double flinch. Eh, c'est bon ça! J'aime quand ça se passe comme ça. C'est le Pokémon qui peut me résister. Triple flinch! Oh putain! Parce que je lui mets! Allez, le quadruple! Alors, guérison. Alors, close combat, quand même. Elle voulait pas se mouiller. Non, elle pas quad, alors. Quand même! Triple apeurement à la suite, hein. C'est pas mal. Par contre, le gars il va gagner grâce au Axe. Allez, 4ème flinch sur 5 attaques. Hein. 4 flinch sur 5 attaques. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est un bon score. Moi personnellement je trouve que c'est un bon score après. Le gars il Axe Cynthia. N'importe quoi. Là je dois avoir un minimum genre 80% de chance d'apurer en fait. Si tu veux. J'avoue c'est un peu bâtard. Ah elle retire son Pokémon. Pour mettre Togekiss. Putain. Saloperie. Bon, je vais pas y résister à ça, c'est mort. Allez, 6ème. Bon bah Togekiss, je lui ai fait des lames. Je fais que des lames d'air depuis tout à l'heure, 7ème flinch. Oh non mais... 7 sur 9 hein, pour l'instant. C'est énorme. 7 sur 10 maintenant, mais est-ce que je le tue forcément? Ouh. Je m'y attendais pas celui-là. Roserade extrasenseur. Effectivement, Karchakrot niveau 56, c'est pas énorme. Ils l'ont en nerf. Ouais, je m'attendais à pire. Attends, je sais pas en vrai. Oh putain, le poudre dodo qui passe. La salope. Dans Platine, c'est niveau 64, je crois. Là, ils ont. Ouais, je pense qu'ils ont nerfé, mais c'est dommage. Là, il n'y a pas de difficulté en vrai. Hein. Là, Karchakrot, je vais venir avec Givrali, ça va faire mal. La Karchakrot est bon. Ah bah après on s'y fait séisme évidemment. Hop, j'ai le contre, heureusement. À part si elle me fait croc au feu. Ouais. Eh, des bottes il prévoit pas, ça c'est bien ça. Un Lucario, ok ça marche. Là, forcément faire contre de feu. Non, lance-flamme. Je suis mort. J'aurais dû faire avec la glace, putain. Il va servir à rien. Autant le sacrifier. Allez, car je crois qu'il a dégagé, c'est parti. Togekiss. Milobelus, parfait. Oh, ce switch, parfait. Allez, puissance cachée, bam. Ça dégage. Je suis en train de lui rouler dessus. ça devrait pas être autorisé de faire ça. Oh mais Roserade,
Mais Roseran, je fais lance-flamme, s'il te plaît. Le axe est avec moi. Bon, en même temps, j'ai placé quand même 7 apeurements sur 9. Hein, donc... Wow, mais il avait le truc pour baisser la puissance des types glace, ce gars. Ouais. Mais qu'un chaque rock, c'est x4, hein, type glace. Ouais, je sais, mais je l'ai fait et il a à peine perdu la moitié. Enfin, même pas un quart de PV. C'est pas vrai. Ah ouais, hein. Allez, Spiriton, il tombe. Allez, juste pour les fun. Je devrais le faire. Là. C'est bon, on va gagner. On s'en fout du fait. Il est en plus affaiblé, ça. Allez, fin du combat. Non, je déconne, c'est pas la fin du combat. Coucou la guérison. J'y ai cru, hein, l'espace d'un instant, malheureusement. Bon, allez, je vais le laisser me tuer de toute façon. D'ailleurs, juste Spiriton, Rosara, des mille bénis. La petite guérison, ça peut être on se fait chier. Non, elle n'a plus de quoi gagner. Oh, mes couilles d'acier qui évitent le feu follet. Ah, ça marche pas deux fois. C'est pas autant la blague, c'est surtout le dire. Putain, mes couilles d'acier. Allez, s'il te plaît. On essaie de cramer mes couilles. Bah, remarque, ça peut être efficace hein, si c'est un mec. Hein. C'est un magnézone donc il a pas de sexe. Ah merde. Bon bah, ça va pour lui alors. Ouais. On lui souhaite le plus grand bonheur. Normalement, allez, là, si je fais un choc, c'est gagné. Normalement, c'est gagné. C'est gagné, c'est bon. Dracochoc, après le toxique qui fait son effet, et on n'en parle plus. Voilà! La thune! J'ai flippé un moment avec son Karchakrok. Ah! À cause de sa baie, il a vachement résisté. C'est 3500 points de combat. Ok. Good. Good. 3500 points de combat. Non, mais c'est rien ça. Ah, c'est que dalle, ouais. C'est rien du tout. J'allais dire c'est énorme, mais non. Pour ce jeu, c'est rien. Allez, oh là là. Oh, cette musique. Maître de Sino, également. Allez, c'est déjà, ça dégage. Ah, ça va, Dynamis, il s'en sort pas mal là aujourd'hui. Ouais, il s'en sort bien. Ouais, c'est allé en plus, hein. Bah, tu vois. En fait, je pense que c'était vraiment juste la Ligue du Nice qui était hardcore. En fait, parce que. Comme quoi là, ouais. Bah, tant mieux, hein, j'allais te dire. Si ça se passe bien, c'est super, hein. Par contre, on l'aurait fait en Nuzlocke, on aurait perdu depuis longtemps. Ah bah là, moi je vais même pas essayer quoi. Ouais. Yep. Ah là là. Bon bah moi je vais me coucher. La même. Eh, hey, dégage de mon lit, toi. Hop là. 3825 points de combat, j'ai. C'est tellement que dalle. Attends, j'ai combien mon. On voit ça sur la carte de dresseur. De quoi? Ouais, j'ai 9700, moi. Tu fais combien, là? Bah, écoute. Ouais. Ah, mais même avec 9700, tu fais tellement rien. Ouais. Points de combat, j'en ai 10500. Sachant que... Attends, c'est quoi, c'est... 80 000 l'objet, je sais plus. Ouais, mais là après, bien, là si tu veux économiser Dynamis, c'est priorité là-dessus. Alors, soit les changeurs de talent, ça peut être pas mal. Ouais. Sinon, c'est les objets genre orbe vie, reste et etc. Ah oui. Et ça coûte putain de cher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le problème,
Bah moi le problème c'est qu'il faut que j'aille au centre Pokémon chercher un Pokémon qui a vol. La même. Ah. C'est pareil. Eh, ils ont pas soigné nos Pokémon ces bâtards. Ah non mais même pas quoi. Tu sais, j'ai crevé face à un Pokémon niveau 2. Ah, tiens, il y a le droit. Ah, la Doyenne de CLC a un truc à nous dire, ouais. Il va nous dire quoi avec Pokédex National. Wouah, close combat sur un Kenotor. Ah bah tiens, on va monter de niveau. Je peux monter jusqu'à quel niveau? Bah oui, t'as qu'à faire. Bah niveau 100 là. Ouais, mais j'ai entraîné mon... Je crois pas qu'il soit assez entraîné pour monter. Deux niveaux à peine. Parce qu'après là, on a Itran maintenant. Yes, bah là par contre, là c'est mon équipe. D'ailleurs, attendez, on fait le combat, du coup, la zone de combat. Si vous voulez. L'ambiance ça est sympa. Peut se faire, ouais. Dans ce cas-là, faut aller à Frimapic ou faut parler à notre rival peut-être. Non, non. Ouais. Bah, ça... Non, mais faut aller à Frimapic justement. C'est notre mère là, qui nous a dit d'aller à Frimapic, non? Ouais. Bon, moi je vais juste aller pisser un coup l'avant. Vas-y, vas-y. Ensuite, je reviens. Je vais voir, je sais que les Pokémon. Dans les deux herbes, tranquille. Allez, Torterra, niveau combien? 63. Pfff. Je tombe plus. Qu'est-ce que je garde, moi? Eux, ils sont bien. Lui, il va être bien entraîné niveau 100. Lui aussi, je crois. Ouais, il va être pas mal. Ça s'en sert rare d'avoir mieux sur ce Pokémon, de toute façon. Le temps qu'ils sont au-dessus de 120 en IV, ils peuvent être pas mal. Par contre, putain. Dracofeu. Seul Pokémon que j'ai pas entraîné en EV, qui est éparpillé de partout. Maman, c'est qu'elle a plutôt le Pokémon FL. Est-ce que Greffolé, Crève, Griffané sont là, à votre avis? Ça, aucune idée. Me revoici. À ton avis, Crève, Greffolé, Griffané sont là ou pas? Bah, à partir du moment où t'as pas de légendaire dans les jeux, je pense. Bon, t'es là, Dynamis? Genre, faut un pic? Ouais. Ah, j'arrive, je suis en train de faire. Voir jusqu'à quel niveau se monte du Pokémon. Mais je vais faire directement, et hop, faut un pic. Ah, tiens, Cynthia. Sans en pas très haut, hein, ça monte genre niveau 63. Ouais. Allez, chef Rima. Bon, t'attends, c'est vers le bas. Il y a un espèce de bateau. Ah, table. Piouf. Ah, mais non. Ils te font combat direct? Attends, je vais dire. Ouais, tu peux choisir de combattre ou pas, mais... Mais tu sais quoi, je vais faire non. Je vais chercher mon équipe. Pareil. Mais vu que c'est un combat double, je vais en prendre que 3. Pas besoin d'en prendre plus, hein, de toute manière. Hop, on va poser les gars. Alors on va prendre qui? On va prendre toi. Et on va prendre toi. Après pour l'exploration du terrain, il faudra avoir les bons Pokémon quand même.
c'est... Bah c'est ça le souci, ouais. Ouais. Mais j'en prendrai que 3 de Pokémon de toute manière, moi, pour faire ça. Ou 5. Enfin, je sais pas, je verrai. Alors, d'abord, on leur défonce la gueule, ensuite on se fight avec nos équipes, et ensuite, Franck... potentiellement, tu pètes la gueule. À voir. Ça se fait un peu, pas l'équipe, ça du tout, donc... Le combat après le combat, c'est Voltali Maganon. Allez, les petits niveaux des cocos 56 et 58. Quelle blague! Attends, remarque. Lui, il a force et escaladon. Je lui laisse. Et surf. Je garde ces Pokémon là et les autres. Ouais, c'est vrai qu'il faut rester safe du tout. Ouais. Voilà. C'est chiant ça. Faire ça comme ça. Tant qu'on peut rouler sur eux, on va pas s'en gêner. Allez. Oh non, il lance son cible à bras. Moi, je me sens tellement coupable de ce que je vais faire. Le séisme. Exactement. Désolé, cible à bras. Hein. Putain, ceinture force. Espèce d'enculé. Est-ce des bâtards, ils résistent? Putain, mon Pokémon, il est niveau 100, ils m'ont résisté. Ah, mais c'est une attaque qui touche tous les deux, et du coup, l'attaque est divisée par deux. La puissance de l'attaque. Quand tu touches deux Pokémon à la fois, c'est divisé par deux. C'est pour cela. Ah, je me disais aussi, quand même, c'était un peu bizarre. Ouais, ouais. Ah, il a un ballon, c'est pour ça. Oh, merci, la flinch. Merci, Mustiflotte. T'es un amour. Putain, mais vous êtes relou avec vos ballons, les gars. Sans déconner. Bon, après, je suis niveau 100, personnellement. Je t'ai fait une attaque, t'es mort, quoi. Mais... ok, Luxray. Intimidation, c'est pas cool. Et un Démolos. Bah écoutez... Petit de la violence, hein. Putain, il résiste. D'où il résiste? Ah bah ouais, bah forcément il m'a fait intimidation. Alors, comment vous dire, hein, que je me retrouve solo face à encore 3 Pokémon? Bon, ah. Bon, c'est un peu de ma faute, j'avoue. Mais bon, on fait un 6, mais on n'en parle plus, voilà. Allez, et de 1. Et de 2. Il reste plus que le troisième. Et c'est un Pyroli. Quelle surpuissance. Blague. Oh là là. Attention. La surpuissance. Hop là, ça dégage. Merci bien. Ah ouais. Avec la ceinture force. Là. Et le Rosade qui fait parasport et qui touche pas. Non, mais tu te fous de ma gueule. Il aurait pu lui faire même écosphère, ça aurait fait. Même Volby, ça lui aurait fait mal. Ça l'aurait mis calme. Eh hey mais, comment on va faire? Parce que pour débloquer normalement la suite de l'histoire, il faut remplir le Pokédex. Ouais. Ah. Moi je crois que je l'ai rempli, mais pour compléter le Pokédex, pour continuer l'histoire, normalement il fallait compléter le Pokédex en fait. Là on va voir, mais bon. Bah pour accéder à la zone de combat non, mais... Non mais après pour monter en haut, ouais. À la zone de détente. Ah, ça, je sais pas du tout, il me semble pas. Enfin, j'ai déjà eu au moins un peu, peut-être ça, l'air de détente, il me semble que c'est. Et l'air de survie, pardon. Il fallait remplir le Pokédex. Voilà, quand j'ai fait le papier, j'ai jamais eu ce problème-là. Bon. Non, c'est bon, moi, ils ont disparu, les gens. Ils étaient là, hein, devant moi, mais ils ont disparu, ils ont des pop. Sûrement parce que j'ai tout le Pokédex. Vous, je le sais pas, par contre. Bah, moi, je suis jamais le en entier, hein, mais.
Hop, moi je reprends les types Sino. Hop, hop, hop. Moi j'ai juste gardé la team CS Slave. Bon, avant le petit screen bien sûr. Hein. Attends, un Pokémon cascade, bon. Surf, force. Je vais prendre un Dracolos dans ma team. tu veux faire le combat tout de suite ou tu veux monter à l'ère de survie? Bah non, on va déjà faire le combat maintenant. Mais là, okay. Là c'est le combat. C'est le combat genre tranquille, hein. C'est pas combat Sino. Ah. Ah ouais. Ouais, mais non, ils sont pas level ça. Max, moi. Enfin, le Sino. Ils sont au niveau combien des Pokémon Sino? 60. Ah oui, tu les as pas montés. Bah si... non, j'ai pas monté, puis Sino, au pire, on les fait chuter au niveau 50, hein. Ouais. Et ça reviendra au même que l'autre fois, du coup. Ouais, sauf qu'on aura 6 Pokémon. C'est au lieu de 5. Enfin, dans mon cas. Alors, attends, on va déjà voir où est-ce qu'on a dit Namesh quand même. J'avais essayé de faire des calculs tout tranquille. Ah, je comment dire. Il a du mal. Tu t'es fait. Bah, il a plus de Pokémon en fait. Ah. Autant dire que c'est le rival qui fait tout le travail, donc il va. Bah, parce il va s'est retrouvé à 3 Pokémon, c'est ça. Il a envoyé. Elle a envoyé Mustéflotte, Torterra et Ituraptor, il a envoyé. Il reste un Pyroli, c'est jouable encore. Hein. C'est jouable. Si Pyroli ne le one-shot pas, c'est jouable. Et s'il joue bien? Ça devrait vraiment être bon. Non, là s'il fait close combat, c'est bon. Vraiment, c'est bon. Ouais, c'est bon. T'as eu chaud, Dynamaze, hein? Ouais, t'as eu chaud, hein. Tellement. C'est le rival qui l'a porté. Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai défoncé le rival en même temps que... Le gars, t'en avais rien à foutre du reste. Hop. Il est arrivé devant le rival, il avait une dague dans la main, il a fait... Exactement. Bon après, est-ce que vous êtes d'accord pour faire un combat avec des teams Sino, hein? Enfin, j'ai proposé l'idée, mais... Bah, si tu veux, moi je suis pas contre. Si vous voulez, hein. On peut se faire, ouais. On va attendre que Idames y finisse sa partie discussion. Après, je fais mon petit screen. Dans cette zone magnifique. On consiste bien quoi? C'est ça. Et bien sûr, pas de soins autorisés, parce que sinon... Bah oui, bien sûr. Ça serait marrant. Et encore moins quand on fera moi et Franck avec les équipes Strat, hein. Enfin, les équipes Strat, entre guillemets, parce que bon, honnêtement... Bah, y a pas les objets, y a pas... Non, mais puis j'ai fait une équipe sur un style Strat, mais officiellement, c'est j'ai la balance à... Mais c'est de la merde. Ouais, ils ont terminé 2-3 niveaux, mais c'est énorme, quoi. Bah, de toute façon, on va l'air de descendre au niveau 50, ça pire. Ouais, on va les shooter niveau 50, de toute manière. Comme ça, on sera tous à égalité. Tu fais le pile ou face, tout ça. Alors, je fais d'abord le screen. D'abord le screen. Tu veux peut-être qu'on se mette un peu plus à droite? Bon. Ouais. Non, c'est bon, la photo elle est prise, hein, c'est pas grave. C'est bon, c'est pris. Hein. Mais pour le combat, ouais. Du coup. Alors. Pile ou face. Alors, je crois que la dernière fois, c'était quoi? Qui c'est qui avait fait le premier pile ou face? Toi et moi, on avait fait. Bah, dans ce cas, ça sera. Non, c'était moi et Dynamaze. Non, c'est moi qui vais commencer aussi, ouais. Ouais, je crois que c'est nous deux. Bah, dans ce cas, ça sera soit toi, Franck, avec moi, soit toi, avec Dynamaze, avec. Du coup. Pour changer. Mm. Alors, Dynamaze, tu prends quoi? Allez, pile. Okay, pile pour toi. Moi, je choisis face. Ça tombe sur face. Donc, si je dis face, j'affronte qui? Non, c'est entre toi et moi. Bah, si je dis pile ou face, attends. Non, c'est entre toi et Dynamaze, du coup, pour savoir. Ah, faut que je dise... Bah, moi, je dis face. Bon, allez. Donc, pile, c'est parti. Pour savoir qui t'affronte, toi. Face. Face. Oh, c'est moi qui t'affronte. Malheureusement. Oh là là. Toc, toc. Au niveau 50. Du coup. Ouais, attends que Dynamaze se place en mode c'est moi l'arbitre. Je peux pas être au milieu, c'est con. Ouais. Au moindre faux pas, je vous botte le cul, bande de connards. On pourrait se mettre un coup en arrière là comme ça. Ouais, j'avoue.
Tu fais la demande ou je la fais? Ouais, c'est grave. Ah merde, je t'attendais. Ah bah attends, bah je la fais. Je l'attendais, la demande. Mode tournoi. T'as bien mis ton premier Pokémon que tu voulais et tout? Eh oui, bien sûr. Pas de limite de temps, combat solo. Avec tous les paliers autorisés. C'est parti. Normalement, là, ça fait... ça va marquer niveau 50, ouais. Quoi? T'as mis niveau 50? Ah merde. Ah non, attends. Loupé. Parce que je crois que c'est dans tous les paliers. Ah non, c'est pas ça. Objet unique, voilà. Bah, t'as pas en fait le limitation. Hein. Ah ouais? Mais mode tournoi, c'est niveau 50 de toute manière, mode tournoi. Mm-hmm. Finalement, si tu vois quand l'annonce va apparaître, tu vas voir si c'est niveau 50 ou pas, toute manière. Ouais. Quoi? On fera la clause objet OP? Comment ça, objet OP? T'as des objets interdits. Comment ça? Mais comment tu veux que je peux savoir ça, moi, que j'ai des objets? Je sais pas. Et ton Pokémon ne peut pas avoir deux objets identiques aussi. Attends, je vais regarder parce que c'est... Ah, objet OP, d'accord. D'accord, c'est pour ça. Ok, bon, ça je vire. Normalement là, cette fois, c'est good. Ouais. Niveau 50, normalement. Moyenne, niveau 50, max niveau 50. Yep. Eh, parce que t'as une clause, en fait, où tu peux empêcher les objets OP, genre, tu sais, les choix, les trucs comme ça. Oh. C'est du 3v3 ? Ça, c'est du 6v6 ou quoi? Ah non, c'est... Ils montrent... On choisit les Pokémon qu'on veut mettre en premier, en fait. Ouais, comme un match classique, quoi. Ouais. D'accord. Bien joué. Ah. Il va me foutre un Noosphère dans la gueule. Oh, si. Ouais, j'en ai... Non, moi, je prévoyais Magnézone. Moi, je prévoyais pas Charcos, mais... C'était Magnézone que je voulais, moi, en face. Quasi bon. One-shot. Ça commence pas mal. Ah, putain. Ah, bien vu. C'est-à-dire qu'il le sacrifie, ok. Ah là. Alors en plus, elle a transition. Oh my god, trois petits points, mouché. Ah non, mais... en plus que de Nani. C'était joli, ça, j'avoue. Ouais, ça fait quoi? Ha! Évidemment. Furoncle. C'est qui? Ah oui, c'est lui. Ah, putain, en plus, je suis paralysé. Ah mais après, je sais très bien ce que tu viens de faire là. Ouais. Vois-tu, mais tu vas recevoir quand même de bons dégâts. Bah, c'est pour qui j'envoie, mais. Hein. Mais là, voilà. Là, c'était évident que j'allais switch, hein, de toute manière. Hein. Après, pour ma défense, Torterra n'est pas Pokémon défense P. Oui, mais c'est sûr. Pour ma défense. C'est sûr. Ah, j'aime pas pour elle. Bien sûr que l'attaque en premier, ça c'était évident. Un SP un partout. Là, ça va faire mal un peu quand même, ouais. Sauce blanche. Merde. La sauce blanche est de retour. Allez, sois gentil. Oh, ça fait bobo. Putain, t'arrives quand même à avoir la priorité quand même. Hein. Bah, c'est une attaque prioritaire donc, ouais. Bah, ouais, ça m'énerve, ouais. Ça va. Je t'ai fait quelques dégâts. Mais c'était une mauvaise idée, j'aurais dû envoyer quelqu'un d'autre. Ah, je sais pas pourquoi je suis parti du principe qu'il résistait aux attaques de type combat. Que non. C'est... Bah, c'est juste. C'était con dans ma tête. Combat, moi. Non, mais c'est. Non, mais. J'ai fait le con parce que de toute façon, il est type classe. C'était une attaque de type sol dans ma tête et j'ai confondu ça avec une type combat.
pas chercher. À chaque fois que je vois ce ton, ça me fait marrer. Ça réégalise. Sauf que vous êtes quasi mort. Il a Lagron qui est quasi mort aussi. Pas faux. Bah, je suis à plus de la moitié sur Lagron. Hein. Ah ouais? Je suis paralysé. Certes, mais. Allez, hop. Normalement, je suis plus rapide. Bah ça dégage. Ah bah non, même pas. Je suis pas plus rapide que toi. J'ai combien en stats moi là? J'ai 150 en vitesse moi perso là. Alors attends, je vais te dire ça. Hors EV, hein, bien sûr. J'ai enfin, 108. Avec moi. Ouais. Bah voilà. Tu m'étonnes. Bouillette. Ah oh, le coup de chance. Oui, non mais c'est pourquoi? C'est à cause de la glace. T'as miroir neige, un truc comme ça. Non, même pas. C'était juste à cause de la grêle. Ouais, non mais à cause de la grêle, t'as miroir neige, t'as un truc du genre. Non, j'ai rideau neige moi. Ouais, rideau neige, bah oui, c'est ça. C'est rideau neige, ça te permet d'esquiver plus facilement les attaques. Putain, ce coup de peau quoi. Je compte sur toi là. Oh merci. Mais non. Bah ouais, il voit le miroir. Ah oui, c'est vrai que c'est physique. C'est physique, ouais. Mais attends, c'est physique ou quoi? Non, on voit le miroir, c'est... Ça renvoie les spéciales. Oui, c'est spécial. Mais à chaque fois, moi, c'est... dans ma tête, séisme, c'est spécial, c'est pas physique, en fait. Ah non, oui. C'est physique, séisme. Ah merde. Non, je vais pas lancer ça. Enlève le Pokédex. Vire le Pokédex. Je veux pas de Pokédex. Merci. Ça fait mal, quand même. Hein. C'est relativement égalitaire pour un moment. Allez, le shiny. Ça réfléchit dur. Heureusement que t'as pas la grêle, hein, parce que sinon on n'aurait pas fini. Hein. Je te jure. Deux Pokémon défensifs qui savent en tout cas. Ah, effectivement, ouais. Très bien. 15 ans. Ah putain. Et nous on se soigne. Alors du coup on se soigne, toi tu perds des PV mais tu te soignes en même temps. Tellement horrible. Ça va prendre 600 ans. Ça c'est les trucs qui font rager ça. Ça prend tellement de temps. Bah... Pire, c'est que tu pourrais me défoncer, là. Je crois que j'ai perdu. Non. Même pas. Non, mais... Mon Pokémon, les attaques spell sont pas montées, donc c'est... Tu pourras pas me... Enfin, j'aurais pas pu te one-shot, en tout cas, là. Sur celle-là, en tout cas. Sur la prochaine, je sais pas, mais... Bah, ouais. C'est ça que je veux dire, bah. Allez, s'il te plaît, ne rate pas. Merci. Oh, ça marche pas. Bah non, je t'ai dit, il est pas monté en spé, hein, donc... Ouais. Par contre, j'aurais été monté, là, je te l'aurais défoncé. T'aurais eu une attaque de vol, surtout, tu m'aurais défoncé.
Il a rejeté. Je crois que j'ai gagné. Je suis plus rapide que tes deux Pokémon. C'est clair. À part si t'as une attaque de priorité. Ah bah non, là tu vas crever du truc. Bah ouais, de toute façon. Et le prochain, je suis forcément plus rapide que toi. Bah en plus, j'ai la paralysie, donc oui, forcément. Quoi qu'il arrive. Ouais, humiliation ultime, je reprends même mes points de vie. Eh, hey, t'étais pas loin. T'aurais eu une attaque vol sur ton Altaria, tu m'aurais fait très mal. Bah, juste que l'attaque feu. Eh ben, j'ai eu chaud au cul là, je t'avoue. Je t'avoue que j'ai eu chaud au cul. C'était plus serré, c'était plus serré. En plus, c'est pas du tout des équipes strat, c'est des équipes à la con que j'ai fait, donc. Mais du coup, on fait dans quel ordre là cette fois? Ouais, Dynamaze en mode défaite, donc à toi. Dynamaze contre Zergas. C'est bien. Ah. Et j'affronte Dynamaze après. Ok. Recule Dynamaze, recule. Alors, attendez. On va t'avoir qu'à me défier. Alors hop. Mode tournoi. Objet OP. Hop. J'arrive. Je veux faire ça bien. Ok. Je crois que Karchakrok est plus rapide, il me semble. Peut-être pas. Non, c'est moi qui suis plus rapide. Non, même pas. Désolé pour les oreilles des gens. Je les teste. Ah. Non, ça passe. Ouf! Oh, ce qui t'a mis! Ah, mais il est pas défensif, hein. Ouais, mais. Quand j'ai vu les stats de son Karchakrok et il a des baisses d'attaque. Donc, il fait quand même mal. À part si t'as changé de Pokémon depuis la dernière fois, t'as gardé le même. Ah. Bah oui, hein. Ouais, donc. J'aurais pas parié sur Luxray perso là. Tu vois. Partir sur un gros feu. Moi là perso j'aurais plus pensé qu'il aurait envoyé Lucario. Ah bah je suis plus rapide. Ouais non. Ça aurait été mieux ce feu là, moi je trouve. La meilleure solution. Bah pour contrer glace ouais mais. C'est sûr. Après Musteflotte, je suis pas sûr qu'il y ait des attaques pour venir aussi à bout d'un. J'ai envie si. Non. Un hydro-queue, fait mal. Enfin, après, c'est toi qui vois, mais. C'est vrai, je devrais rien dire, je suis l'arbitre. Je vais me taire. Ouh oh non, non, oui, oh, encore non, mieux non. Ah, mais là maintenant, Expo Force, si tu arrives à la placer, t'es cocu. T'es fort. Mais t'as pas de copine, mais t'es cocu. T'es cocu avant d'avoir une copine. Allez, je vois la chance. Oh putain. Cette chance. Oh il résiste. Oh là là par contre. Eh c'est dommage. C'est vrai que Mistoflot est offensif et pas spécial. Ah ça fait chier. C'est dommage. Mais tu peux placer autre chose. À part si tu veux retenter l'Expo Force, mais. C'est marrant, non. Ah, quand même. Ébullition. Je sais pas si ça finit. Si, ah ça bah, va. Ça suffit. Si. Ouais, wow, c'est pas. Ah, c'est stabé c'est aussi. Pas.
toute façon, je n'ai rien d'autre. Hein. Bien. Ça... T'inquiète, ça claque quelques PV, mais ça gratte. Et c'est ce qu'il fallait faire. Parce que peu importe ce qu'il mettait, après... Toi, t'as quoi? T'as close combat et une attaque vol, j'imagine. Ouais. Ce qui est logique. Il vaut mieux que tu changes. Après, là, de toute façon... Ouais. Ouais, je te laisse faire. Mais vu que Shiden, il est mort, ça va pas être simple. Et en plus ça passe. Le mec, il est cocu. Ah oui, ça passe. Mais avant d'avoir une copine, quoi. Ça passe à la violence. La suite logique, encore. Deux explos force, une lame de roc, deux lames de roc, coup critique en plus. Ouais, mais avec une explos force sous la grêle, avec un givrali, miroir neige. Ah non. C'est ça, ouais. Ah, c'est le pire, quoi. C'est... Il arrive à placer des trucs. D'habitude, c'est lui qui se fait axer, mais là, le axe est de son côté, un peu. Ah non, bah là, c'est... Ah, totalement. C'est la violence. Elle est quand même plus rapide, hein. Ouais, mais ça, c'est logique. Ouais, dégage, tu m'énerves. Ça va t'envoyer Torterra. Ah non, Lucario. Bon. Et que ça se dégage. C'est défensif, hein. Je sais pas si t'arriveras le... Ah non. Ah non. Un aura sphère, ça aurait été mieux, tu vois. T'aurais été plus rapide de toute manière, je pense. La grande n'est pas connue pour sa vitesse. Non, elle est pas du tout rapide, la grande. Non. C'est un escargot. Mais vraiment. Ça, c'est ultra. Ça lance mal. C'est très bien, même. Aïe. Ouais, mais normalement t'es plus rapide. La logique des choses, à part si d'augmenter la vitesse. Ce cancer. J'ai atterrissage pour 1 PV. Pas plus que 1 PV, mais... J'aurais dû prévoir là.
Tu pensais qu'il allait mettre son Karchakrok, c'est ça? Non, pas du tout. Même pas. Moi j'attaque quoi, si tu veux. Ouais. C'était plutôt l'objectif à la base. Le problème d'avoir vol, c'est que du coup c'est prévisible. Bah, ouais. J'ai le temps de placer. Un petit atterrissage de famille. Pendant que le poison à l'autre bout il fait son effet. Surtout que Toxic ça t'enlève plus de points de vie à chaque fois, donc fais gaffe. Ça va jouer cancer là. Ça va, normalement il fera rien. Quand même. C'est vrai que j'ai oublié qu'il est pas EV. Non, pas du tout. Pas remarque, les EV en défense étroiteur, il en a pas. Enfin, ça dépend comment tu joues. Mais généralement, ils sont offensifs, les étroiteurs. Faisons chier. Non, là il va te défoncer. S'il réussit sa déflagration, ça passe. Non, mais j'ai pas fait déflagration là, ah. Deux fois de suite. Quoi. Il veut pas tenter le diable. De toute façon, le toxique il finit quand même. Alors j'aurais été toi, tu vois, dès qu'il a balancé Altaria, j'aurais fait demi-tour. Là, j'aurais mis Karchakrok. Mais bon. T'inquiète. Ah, c'est ce que je me disais bien. Il y a une raison. Mais bon. Je suis pas. Ouais. C'est dommage. Ouais. Avec un peu de chance, il sera plus rapide que lui. C'est quasiment sûr. De toute façon, t'avais pas le choix, Tartera serait fait démonter. Mais Altaria a bien joué son rôle. Et j'en suis plutôt fier. Pour un Pokémon qui a pas été entraîné comme il fallait. Pas mal. Ouais, en plus. J'aimerais te dire des trucs, mais si je le dis, Zergas, s'il va prévoir ce que tu vas faire, en fait. Du coup, je dis rien. Faut pas le dire, ouais. Ouais. Oh! Oh putain! Ah, j'aurais pas cru. Oh, j'aurais pas cru. Le manque de peau. Alors là, j'aurais pas cru. Ta chance, t'as quitté là. Alors là, j'aurais jamais parié là-dessus, à beaucoup. Il avait des gros problèmes de goût, j'entendais plus rien, c'est pas rien. Ah, mince. Non, c'est normal, on parlait pas. En même temps, Je m'y attendais tellement pas. Ta chance, t'as quitté, quoi. Lequel des deux Tartera va être plus rapide? Normalement, une brindille est plus rapide qu'un Yggdrasil. Dans la logique des choses. C'est moi qui. J'ai pas le choix. Ouais, bah.
Dans tous les cas, là, il est plus rapide, ouais. Poil de cul, hein. Ouais, c'est pas mal. Ça s'est joué au poil de cul encore, hein. Moi, là, franchement, je dis... Ouais. Alors, t'as eu de la chance, là, et t'as fait pas mal d'erreurs à la fin, mais c'est pas mal. Ouais. Ah, j'ai fait pas mal. Ouais, mais bah, toi aussi, t'en as fait, mais Dynamaze, il en a fait pas mal à la fin. C'est ça qui lui a coûté, mais il aurait pu le battre. Bon, avec, avec de la chance de son côté, comme il l'avait, il aurait pu te battre. Non, mais tu vois, Torterra, il serait tombé, c'était foutu. À mon avis, car je crois qu'il m'aurait dépassé derrière. Alors, quoi? Hop. Combat. Alors, t'as fait quoi? Mode de combat, tournoi? C'est tout ce que t'as changé, Zergas? Non, faut que tu fais mode de combat tournoi et tout en bas t'as une case objet OP, faut que tu la décoches. Ah, ok. Si jamais t'as un objet dans l'eau qui peut. Ok, messieurs, dames, bienvenue au combat Pokémon entre deux dresseurs d'exception. Je suis votre commentateur, je bois actuellement une bière. Corona. Je me souviens plus du nom. Non, même pas, c'est une bière alsacienne. Je ne me souviens plus du tout du nom parce que c'est imprononçable. Scroot. En tout cas, je suis en très bonne compagnie, en tout cas gustative. Et effectivement, Franck lead avec son Karchakrok, son head first pour pouvoir accomplir quelques petits. Bref, vous avez compris pour les plus vieux. Contre un Mustaflotte, intéressant. Bon, j'arrête ma voix parce que voilà. Sauce blanche. Pas le choix contre des flottes. Pas de brûlure. Ouais non. Putain. Sale pute. Bah c'est pour ça que c'est qu'on prend ébullition en général. Hein. Ouais je sais. Pour sa capacité à brûler même si c'est assez faible. Ouais. Bon bah s'il va quand même me servir encore. Qu'est-ce que je vais faire? J'aurais dû faire ça dès le début. En vrai. Quoique. Connaissant son set. Ah, j'hésite. Mais. Ouais. J'ai envie de dire. Ah, Switch sur Etoraptor. Ah. Oh ouais, joli. Il aurait préféré faire le close combat plutôt que le faire Explo Force. Il voulait pas tenter le diable. Non. Après, close combat, ça va certes toucher, mais pour autant, t'as un contre-coup derrière qui est pas négligeable. Ouais. Parce que si le close combat tue pas Magnézone et que Magnézone fait tonnerre, t'es foutu. Je pense que je suis plus rapide que lui de toute manière. Ah ça je sais pas pour le coup mais peut-être. A voir. Non il retire. Ah le bâtard. Il prévoit le coup. Joli, ça c'était joli. Ouais. Ça passe. La sauce blanche, évidemment. Toujours. Car tout le monde sait que plus le monde est blanc, plus il est joli. Bon, après, je te dis pas l'odeur, mais ça, c'est un détail. Ça serait... Ouais, c'est la même odeur qu'en mer. Après, ça dépend ce que tu manges, généralement, aussi. Ça dépend ce que tu manges, ouais. Si tu manges des fruits, ce sera peut-être fruité. Moi personnellement ce soir un petit feuilleté ou fromental, chèvre, tout ça. Pas mauvais, de la salade. Pour le côté verdure, tu vois, un peu de végétal. Mm. Parlons de végétal, à mon avis là le végétal en face. Ouais non, il y a le fait en feu. Un petit blizzard, sachant que blizzard je crois que c'est 75% de chance de toucher. Hein. Ouais mais sous la grêle c'est 100%. Ah. Ouais ça je sais même plus peut-être si tu le dis là. Oh, ouais. Je te fais confiance. C'est pour ça que Blizzard sur Blizzard Roi est cheaté. Alors après le problème c'est que là il est type planté glace donc il est pas... Sharidon ? Tu vas faire Sharidon ? Mm-hmm.
Ah, la queue de fer, la queue de fer. Bon, après, j'avoue que moi et Franck, on est un peu cheatés parce qu'on a les restes, hein, parce qu'on a Pokémon. Ouais, c'est vrai, ça par contre. Et c'est vrai que ça aide. Ça joue beaucoup. Ouais, c'est ce que je voulais pas risquer. Là, j'aurais dû prévoir ça aussi. Il y a quand même un moins 1. Ouais, ce que j'ai pas prévu. Je me disais, il va mettre et tout à tort, mais je fais quand même une attaque au corps à corps. Je suis con, je vais pas réfléchir ça. Oh, close combat qui passe. Mais c'est voilà. Rien. La défense, défense P, donc là du coup le moins 1 est annulé. De toute façon, c'est une attaque SP là, donc un coup qu'il arrive. Mais ça résiste. Là, je pense que c'est même pas la peine de le retirer parce que là il servira. Enfin, il servira à rien. Il servira que s'il est sûr d'avoir la. Il aura la priorité. Tant qu'à faire. Oh. C'est une alternative. Après, qui c'est qui va mettre en face? Qui c'est qui va se prendre une attaque gratuite? C'est Bibi! Ouais, ça va. Il est pas défensif le carreau, il va se prendre cher. Bah là ça touche pas. Hein. Là, dis-toi, ouais, non mais dis-toi que mon Pokémon il est pas monté en attaque. Ah. En plus, ouais. Il est surtout défensif. Donc ah, il dépasse même pas 100 en attaque, je crois. Au niveau 50 en tout cas. Ouais. Allez, Lucario, c'est foutu. Ça va, attention et violence. Ça va partir sur la violence. Ça va partir sur la violence de la chance. Ouais. Nous prions tous. Ah non, non pas il du veut tout. Placer. Ouais, mais ça fait mal quand même, vu que. Je suis aussi seul. Tu vois, là, il aurait placé un explos fort, ça serait passé à mon avis. Tritosaur, un des Pokémon du cancer quand t'arrives pas à le gérer, quoi. Ah bah là, il a plus Torterra, donc ça va être dur à gérer. Il place quand même des explos forts, c'est pas ouais. Ça. Là, il aurait dû le placer avant. Ouais. Là, t'aurais dû le placer. Non, même pas. Même, en fait. Même pas, ouais. Ça aurait fait autant qu'ébullition. Ah, parce bah, que l'ébullition est stabée. J'aurais été mauvaise langue là pour coup. Et hop là. Pratiquement full life. Bon, ça va être chiant. Ah. Ah ouais, là, c'est ça peut pas suivre tout le temps hein, malheureusement. T'as déjà eu assez de chance face à moi donc s'il te plaît. En fait, tu vois Franck, plus je te vois jouer, plus je m'inquiète. Ouais. Pourquoi? Je sens que tu vas mettre une pâtée, ça va être violent. Dis-toi que j'ai jamais joué en stratégique, énormément en plus. Bah, j'ai juste regardé. Moi j'ai joué uniquement en match double, quasiment sauf les ligues que j'ai fait en simple. Donc j'ai pas tellement d'expérience non plus en combattant avec mon équipe. Hein. Ça va être fun. En fait, ce qui mène c'est que j'ai retenu les 7. De ces Pokémon, quoi, vu qu'il t'a combattu. Ah. Ça aide un peu, mais. Sûr. Lui, il m'a vu combattre aussi avant, donc on est un peu équitable, à part s'il se souvient pas. De toute façon, ça a plus changé grand chose.
Que ce soit ça ou le Céris, ça enlève pareil. Et je suis mauvais. Voilà, c'est l'intérêt des restes. Mm-hmm. C'est que les effets de statut, tant que c'est pas genre comme le poison en grave, bah en fait ça fait rien, tout est le reste. À part un crit. Ouais. À part un crit, ouais. Mais même là, un crit ça suffira pas. Hein. Quand il y a le karcher, ouais. Ça va partir sur une belle défaite. Bah belle défaite, ça fait quand même quasiment 10 minutes que le match est lancé. Hein. Ouais. Belle... Je pense que tu aurais plus de 10 minutes de défaite si effectivement au bout de 3 minutes. Mais bah là, si non, je t'avais vraiment flanqué la raclette Tali, ouais. En bas. Bah, mais bon, ça, en 3 minutes, c'est pas possible. Avec ta team, j'aurais pas pu te battre facilement. Sans Tritosaur, là, je serais mal, je pense. En plus, c'est une team classique, quoi, que t'as du jeu. C'est vraiment classique. Pourquoi les Pokémon de 4G ils sont assez puissants, en vrai? Absolument pas petit, Fial. Par contre, là, je vois plus comment je peux en profiter maintenant. Hein. Ah ben, on sait pas. Enfin bon, là, c'est sûr qu'à 3v6, évidemment. En plus, il y a que le Karcha qui est... Mais Karcha Croc, il peut encore faire mal. Hein. La Karcha Croc, s'il a la priorité, il peut faire mal. Hein. Et il l'aura. Et il l'aura, en plus. Je crois que ça n'arrive plus que ça. Oh putain, ce manque de chance. C'est que j'hésitais à faire ça en plus. Ou à tenter un dernier coup. Et là, c'est fou le cancer, là, ce que je fais. Ne reproduisez pas ça chez vous, les enfants. Non, ça c'est pas... C'est casse-couille, c'est le pire. Enfin, non, c'est pas fou, mais c'est... C'est un truc horrible, quoi. Il y a pire que ça, quand même, en termes de cancer. Et encore là, c'est le cancer prévisible, hein. C'est pas le cancer. Où... T'aurais dû faire ça. Ça m'aurait fait extrêmement mal. Là, dans tous les cas, je me fais two shot. Si tu fais séisme. Ouais, mais bon, si tu te soignes à chaque fois aussi. Ouais, mais. Là, précise que c'est autorisé parce que c'est une attaque. C'est le pire. C'est autorisé. Mais les PP ne sont pas infinis. Non. Bon, après soin, ça a énormément de PP, hein, mais... Il me restait 5 PP de soin. Mais bon. Je pouvais enfin dégager. Voilà. Il a fait amplement le boulot. Il a fait son travail de Pokémon défensif. Oh, a pu. Ah putain, la vive griffe. Toujours. La vive qui passe crème. Alors que je remette mes objets sur mes Pokémon aussi, moi. Je crois qu'il est là juste pour mettre un dégât de gratte, parce qu'il se voit une shot partout. C'est un Pokémon que je regrette d'avoir pris dans ma team un peu. Il est très fort, mais une attaque, tu peux lui faire vol vie, il se fait one shot. Ah, je l'aurais pas retiré là, moi. Oh, ça sacrifie quand même. Il va me baisser mon attaque, sauf que je suis un peu sur le spécial, donc ça aide pas trop. Non, ça pas. Là, je l'aurais pas retiré, Karcha Croc. Et ton Raptor avait peut-être eu la priorité sur mon Roserad. Hein. Ouais. T'aurais pu faire quelques dégâts. Ouais, mais s'il switch comme ça, du coup. Oui, non, s'il switch comme ça, c'est rien. Après, effectivement, l'Uxray, je suis full vie. Ça, par contre. T'as une attaque feu sur ton Luxray? Ou glace? Non, glace, ça me tournerait feu, par contre, c'est peut-être pour rien. Ouais. Je sais pas. Ah bah si ça évite, on va le pauvre Dynamèze, là. Faut pas jouer le axe contre moi, ça marche pas. Je te renvoie, je fais axe miroir, tu vois. Wit wit. Quand
quand je n'ai plus rien, c'est chiant. Attends, t'avais plus rien? Ah non. Ah putain, vas-y, de belles conneries pour pourtant. Ça. Ah ouais, c'était pas mal. C'était épique. C'est quoi, c'est ton casque qui est merde, c'est ta connexion? Là, non, je pense que c'est le casque du tout, non, ça va être soit le câble, soit la co. Ça peut être la co aussi, vu que. Il y a des voix à la télé, du toilette, donc. Non, mais si c'était la co, tu. Ça... Mais c'est vraiment un gros problème, non, je pense que c'est plus le casque. Ou c'est peut-être Discord, tout simplement. Ou Discord, ouais, ça peut. Ça arrive, hein. Effectivement. Non, à voir ce que va faire Karchakrok là, parce que si. Il est sûrement plus rapide. Quoique, non, Furoncle va être plus rapide. Ah, Roserade, c'est rapide. C'est très rapide, hein, Roserade. C'est très 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 rapide, Roserade. Bon. Bah, bien joué. Merci bien, messieurs. Alors, l'Étoraptor, t'aurais pas dû le changer, parce que l'Étoraptor aurait sûrement été plus rapide que mon Roserade, tu vois. T'aurais pu lui faire... Ah, t'as que vol, toi. T'as pas aéropiqué ou un truc comme ça. Non, c'était vol. Bah t'aurais fait demi-tour, ça m'aurait fait quelques dégâts. C'est vrai que vol, j'aurais pu anticiper. Quoi. C'est ça le problème de vol. En fait, tu m'aurais pas one-shot avec vol. J'aurais pu te tuer derrière. Ça aurait été ça. Tu veux faire le combat Zergas du coup ou pas? Ah bah oui. Mais avant, faut que je retire les objets de mes Pokémon pour les changer. Pour la remettre plutôt. Parce que... En tout cas, Dynamis, ça va. Tu t'en sors pas trop mal. Franchement. Non, moi, c'est bien. En fait, tes Pokémon auraient été EV, je t'avoue que je me serais peut-être fait défoncer. Ou en tout cas, Zergas serait fait défoncer à coup sûr, je pense. Ouais, là, c'est sûr. Ouais. Juste. Un genre, 2 EV en plus sur Karchakrok, j'étais fini. Bien, à quel point. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme truc? Attendez, je vais mettre ça, moi. Hop. One. Two. On a vu, j'ai pas forcément Geekip Strat. Tu nous regarderas, t'inquiète. Bah, il a regardé, ouais. Peut-être qu'il va voir moi me faire des. Mais non, dis pas ça. Il y aura à nouveau un match bien serré. Comme on apprécie. Sachant que j'ai absolument pas des objets strat à la base. Ah, moi non plus, t'inquiète. C'était quel Pokémon? Oui, je crois que ça allait là, ça. Attends, je sais même plus comment j'avais organisé mes trucs. Bon. Ah, je regarde pour les objets, qu'est-ce que je pourrais donner. Parce que les objets, je les change sur, selon les Pokémon, tout ça. Donc... Ok, on va faire ça comme ça. En vrai, ça me stresse, hein. Ah. Bon, là, par contre, là, c'est le match niveau. Mm-hmm. Là, on n'est pas en mode tournoi. Hein. Ouais, t'inquiète. C'est plus fun. Le problème, c'est que j'ai tellement l'habitude de jouer cette équipe, justement, en combat double, qu'en combat simple, je suis moins confiant. Après, pour avoir fait la ligue du coup du Nice... Mm-hmm. Je crois que j'ai fait que Unis d'ailleurs, non, Kanto aussi. Pour avoir fait ces deux ligues là, du coup en combat simple, ma team elle a réussi à tenir le coup. Donc bon. Surtout contre Goya, comme j'avais déjà dit, je ne sais pas comment. Ouais. Elle a réussi à tenir le coup. Donc, ça veut dire que techniquement, elle n'est pas non plus à jeter à la poubelle. Après, est-ce qu'elle est équilibrée? Ça, c'est un autre détail. Et je dois avouer que là, j'en suis un peu moins sûr. Mais bon. Ça va se voir, hein. Ah bah ça va se voir. Hein. Soit ça va être serré, soit l'un de nous deux va se faire défoncer. C'est ok. Hein.
Je sais pas. Parfaitement déçu. Ouais, c'est... Je sais pas. Attends, je vais le mettre à sa place, tiens. Comme ça, lui, je le bloque. Pour acheter des objets, mais je ne sais pas si ça servira à quelque chose en vrai. Bon, je pense que ça devrait aller. On les fait retomber niveau 50 ou on les laisse niveau 100? Non, niveau 100. Alors, pour qu'on s'amuse un peu. Ça va rien changer, hein, mais c'est juste pour le fun. Moi, je suis prêt. Alors, là, mets bien ton Pokémon en premier que tu veux mettre en premier, ouais. Du coup, parce que vu qu'on va faire le niveau 100, il n'y aura pas les règles avec le choix de Pokémon au début. Solo, mode normal, équipe actuelle. Yes. T'es prêt? Yes. Je vérifie. Go! Allez, ça avance. Oh, parfait! Le manque de peau. Hey, je commence toujours avec un Pokémon de merde. Le truc qui servait à rien. Il y a eu deux trucs qui ont servi à rien durant ce tour. Bon. J'ai hésité. J'ai tellement hésité. Je me suis dit Trioxydrille là, ça. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû. Mais bon, je suis plus rapide quand même. Je me demandais si t'allais changer ou pas. Non. Alors, soit c'est une puissance cachée glace, soit dragon. Soit combat. Soit insecte. Oula, ça en fait. Ça en fait beaucoup. Pourquoi, mais Trioxy, il est juste type dragon, je crois. Non, il est type ténèbres aussi. Ah! D'accord. Bah, j'aurais pas cru. Du coup, j'aurais pas cru. Star Platinia. Platine. Ah, je l'avais pas vu celle-là. Ah, t'as une orbe vie en plus! Tu viens jouer. T'as payé ça combien? 98 000. Oh putain! Oh la vache! C'est tellement hors de prix! Ouais. Tu as pris des reprises ou c'est elle, quoi. Oh! Oh! Bien évidemment. Juste pour faire une casse-brique, tu sais, ça va rien faire. Hein. Ouais, ça va rien faire, mais ça fait quelques petits grégrates quand même.
Ah putain, là, si j'avais switch à ce moment-là, ça aurait pu faire beaucoup plus mal que ça. Tant pis. Allez, un partout. Red Axe. Ah, le bâtard. Allez. Oh, un arrêt. T'as quoi? Tusk... Quoi? C'est quoi ce nom? Tusk ACT. C'est quoi ce nom? Tusk Act 4. Là, je suis curieux de savoir c'est... Bah, c'est Jojo's Bizarre Adventure. Comme Star Platinum. C'est le stand de Diero de la 7ème génération. 7ème saison. Ok. Attends, de toute façon, je peux rien faire. Ouais, de toute façon. Je suis obligé de faire colère de toute manière donc. Mmh. Je suis tout colère. De toute façon, en fait, je pour dire Dynamaze, quand tu lances colère, du coup, ça dure 2-3 tours et puis tu peux rien faire d'autre en fait. J'en étais sûr. Ah ouais, je vois le joueur. Putain. Ah le bâtard. Ah l'enculé. Il a un Pyrax. Magicien de l'Oed. C'est tellement stylé le Pyrax en vrai. Mmh. Un gros fleur. En plus que tu peux en avoir un gratos, je sais plus où là. Il y a 15 enivés partout dans le château enfoui, il me semble. Ouais. Je sais pas si c'est celui-là que t'as chopé, mais... Non. Je suis peut-être un peu greedy, je sais pas. Après, j'ai placé qu'un seul pic, hein, j'en ai pas placé deux. Ouais, donc ça fait pas l'effet du toxique, quoi. Non, ça le fait pas, enfin, ça le fait pas totalement. Enfin, ça fait juste le poison, quoi. Mmh. Ça devrait pas one shot, hein. Loin de là. Son Altesse. Son Altesse Royale. Allez, Bourdon, ça fait mal, hein. Mmh. Bourdon, ça fait très 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 mal. Bon, après le set de Pyrax, je le connais donc. Oui, oui. C'était un des sets les plus joués en 5G, donc c'est normal. Un des Pokémon les plus abusés. Bon, après, il a tu fais une attaque roche, il est forcément mort. Mais... Ah ouais, ah bah, x4, hein, donc ouais. C'est sûr que c'est une grosse faiblesse, hein. C'est le problème de Pyrax. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Après, le problème, c'est que tu vois, il peut être très puissant, mais une faiblesse comme ça qui est. Ah, c'est pas jouable, hein. Ah non. Dès que t'as une grosse faiblesse et que tu peux te faire one shot, c'est comme. Comme Charcos qui peut se faire one shot partout. Il fait énormément de dégâts, mais il se fait one shot partout, quoi. Mais bon, après Charcos, c'est un peu comme de merde, c'est pas pareil. Oh, ça attaque avant. Ouais, ça va être chouette, c'est sûr. Aïe. Ah bah, je suis à plus 2. Je suis à plus 2 en vitesse, en défense spéciale et en attaque spéciale. T'es en plus 1, t'es juste à plus 1. Ouais, t'es pas j'ai plus fait 1. 2 papillonnances. Par contre, t'as quand même réussi à attaquer avant moi. Hein. Bah, je suis à plus 2 en vitesse aussi. Bah, t'as fait qu'une seule papillonnance. Hein. J'en ai fait 2. T'en as fait 2 ? Ouais, j'ai eu le temps d'en faire 2.
Ouais, forcément, ça passe. Hein. J'aurais fait le ménage un peu. Mais c'est pas avec les Pokémon qui me restent que je vais te défoncer. Ok. En fait, t'aurais pas mis les pics. C'est parti. Ouais, j'aurais pas mis Pitoxic, ça aurait pu. Foo Fighters. C'est parti. Le mec, il fait semblant de réfléchir, tu sais. Alors qu'en fait, il boit. Exactement. C'est vrai, mon écran n'est pas tactile. C'est vrai, j'ai mes appels. Arrête de boire. Oh putain. Oh, ça résiste quand même, hein. Oui, à la grande, ça résiste. Putain, brûle pas ce connard. C'est là qu'on voit que les pics toxiques font vraiment la différence. Ouais. Sur la durée, ouais. Et encore, c'est que un pic toxique, c'est pas les deux. Hein. Ouais. Les deux, ça. Parce que moi, j'ai pas joué sur ça. J'avais des Pokémon lame de. Enfin, piège du rock. Ouais. Je les ai pas mis dans ma team parce que je me suis dit on va pas faire le salaud. Sauf que mon adversaire fait son salaud. Allez, brûle. Non. Salaud. Bon là, bah. De quoi là? Ouais, enfin bon. Electric Wizard. Voilà quoi. Donc ça risque d'être assez. C'est serré, c'est ce qu'on disait. C'est ce que tu disais. Soit il y en a un qui va se rouler dessus, soit ça va être extrêmement serré. Mais c'est vraiment le pic toxique qui va jouer, je sens. Non, deux attaques, je suis KO. Mais toi aussi en vrai, donc ça va jouer à la vitesse. Ouais, ça va jouer à la vitesse. Je dois t'avouer, je sais pas du tout qui a le plus de vitesse entre les deux. Je t'avoue que moi non plus. Un Pokémon électrique qui est censé être plus rapide, je pense. Mais Pyrax c'est quand même très rapide. Bah, c'est ça le souci, ouais. Donc là, je t'avoue que je sais. On va voir qui attaque en premier. Celui qui attaque en premier a gagné, quoi. Enfin, celui qui attaque en premier a gagné. Ouais, enfin, ça va dépendre de la puissance des attaques aussi. Toi qui attaque en premier. On va voir ce que ça fait. Ah putain! Si on enlève plus. Oh le bâtard! Oh. Ah! C'est fini là pour moi. Le poison qui me diffond. T'es mort. Ouais. Bravo! Ah, okay. Eh là, ben. Ça c'est un beau match. Là c'est un beau. Il a été serré celui-là. Ouais. Ah, je suis content. Viens, je vais prendre une team qui est contre ta team. Lui, on se bat. Le gars qui accepte sa défaite. Ça va toi, mais tu vois ce que j'ai vraiment eu peur parce que je le savais en fait. Tu sais, je le voyais tout le temps à Uni, je me suis dit, lui, celui-là il va le garder. Ah bah, c'est sûr, ouais. Il avait d'excellents stats que j'avais. Je l'ai gardé autant que j'ai pu. Après, mon trop chaudon, c'est celui que d'Unis aussi. Hein. Ah ouais? J'ai gardé le même. Hein. Mais effectivement. Après, j'avais une dizaine de compos possibles pour ma team. Ouais. Là, T'as 18 Pokémon que t'as pas vu, ou 12 Pokémon que t'as pas vu encore. Ah bah alors que moi j'en ai encore deux en préparation. Là, le prochain combat tu me défonces à mon avis. J'éviterai de prendre celui que j'ai déjà pris. Elle a bien tenu le coup là. Eh mais ça va là, ouais. Mais c'est vraiment Pic Toxic qui a fait le taf. Non, c'est ça. Je t'avoue que. Parce que je savais que je peux lead avec donc. C'est mon lead en Roserade hein, de toute façon. Ouais. Mais tu vois l'avantage qu'aussi qu'à Cizayox, c'est. Ouais. Overcheat. On va se mentir, hein, 394.
Voilà. Et surtout, là, il a le talent de technicien. Ah, donc, ouais. Piqûre qui a 60 de puissance, passe à 90 de puissance. Plus le stab. Plus le stab. C'est vrai. Donc, ça fait mal. C'est pour ça que ça m'a fait mal. Et le Pyrax, lui, c'était. Bah, alors là, Pyrax, voilà, parce que t'as fait très mal. Hein. Mais bon, en même temps, Electric Wizard, il a aucune défense. Mon Pyrax, attaque SP, c'est 369, EV 200. C'est pas compliqué. Attends, hein. La vitesse par contre. T'es à combien avec Pyrax en vitesse? 215. Je suis à 290. Bah voilà. Ah, voilà. Par contre, mon Ariyama, il a servi à rien. Alors, 290, je crois que j'ai qu'un seul Pokémon qui peut te passer là-dessus. Et je crois que c'est mon Roserade. Que mon Roserade qui peut te dépasser avec contre Pyrax. Et je crois pas que je l'avais prévu. En plus, à un moment, j'avais regardé, je me suis dit. Cas où il a un Pyrax. Parce que bon, Pyrax, quand même, c'est un Pokémon qui est. C'est un des meilleurs Pokémon de la 5G. Donc, fallait s'y attendre. Je me suis dit, si j'ai un Pyrax en face de moi, le seul qui peut le dépasser, c'est mon Roserade. C'est pas compliqué. Et le problème, c'est que Roserade est type plante, Pyrax est type feu. Donc, comment c'est dit? Ça. Et là, je me dis qu'Ariyama, ça a été une erreur de le prendre aussi. Dommage. C'est vrai qu'Ariyama, je l'ai. Tu l'as défoncé. Je lui ai fait quoi? Je lui ai fait colère, je crois, rien. Tu lui as fait colère, ouais. Et aussi, mon erreur, c'est d'avoir fait sabotage. J'aurais dû te faire un bon petit close combat stabé. Ouais, là, ça aurait fait mal. Là, ça aurait fait mal. J'aurais pas eu tous les problèmes. J'aurais pas eu tous les problèmes d'après aussi. Mais bon. C'est comme ça qu'on apprend. Ah, bah oui, hein. Bah là, je sais que dans mon équipe, j'ai des valeurs sûres et j'ai des valeurs un peu moins sûres. Hein. Après, ça fait le taf, hein. Mon Roserade, surtout, je l'adore, mon Roserade. Tellement puissant, mon Roserade. Ça. Je sais bien parce que j'en ai un. Bah ouais, c'est, je sais. Je sais. Il est à peu près pareil. Alors, les gars, je ne vais pas vous affronter. Très clairement. Il me défie, là, les gens? Non. Ah non, mais, non. Je suis sûr que Damez, il dit non. On fera pas de combat, là. Je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Regardez. J'étais assez concentré que pour ça. Bon, après, il y aura la rediff, hein, bien sûr. Ouais. Hop. Bon, je vais pouvoir enfin le mettre derrière, là, du coup. Moi, je vais me faire un Dracolossé Slave pour le prochain coup, du coup. Ouais. Histoire d'avoir un Pokémon qui utilise Escalade, Surf, tout ça. Moi, je sais pas si j'utilise mon équipe Strat ou si j'utilise une autre équipe. Enfin, équipe Strat, hein, je vais pas les mettre tous, hein, parce qu'il faut des CS Life aussi. Bah oui. C'est le problème. Je vais peut-être en prendre que 4 ou 3, je sais pas. Puis on verra. Bon. Comme ça, moi, je me pose plus la question de monter les Pokémon pour la suite. Non. Bon, voilà. Bah c'était, ouais. C'était un chouette combat. On a roulé sur la ligue quand même, faut se dire. Ouais, enfin moi, Cynthia, j'ai eu du mal, mais c'était pas mal. Enfin, du mal, c'est pas du mauvais mal, c'était du bon mal, tu vois, c'était pas chiant. Parce qu'il y a des combats chiants, ça, on va pas se cacher. C'est vrai. Par contre, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que la zone de combat, c'est marqué cette fonction n'est pas. Alors que t'es la zone de combat au N. Ah ouais? Ouais. Donc c'est pas impossible de le faire. Ou peut-être bah, qu'ils sont ici, on va en rajouter une. Ici, il y a que 5 champions. À ON, il y en a 8, en plus. Ah, c'est peut-être pour ça, ouais. Ah, c'était chouette. Dans les zoos. Fin d'épisode, allons nous coucher. Ouais, exactement. Allons dormir pour certains, parce que moi, à mon avis, je vais prendre ma clé USB, la brancher dans la USB de mon PC, portable tactile, du coup, et je vais, du coup, taper des lettres sur un fichier Word. pour finir la partie que je fais actuellement là. Ouais. Ensuite, repartir du début pour écrire une autre partie avant ce que je viens d'écrire. Et avant de faire un petit final à la fin qui devrait pas être très long selon ce que je prévois. Comme dans le chapitre 20, bah, pour YMS, du coup, il le salue. Dans le chapitre 20, genre un truc qui fait moins de 1000 mots, tu vois. Une petite partie finale, tu vois. En fait, je sais pas comment va être la durée de la première partie, en fait, que je vais écrire là. Peut-être demain, parce que ce soir, à mon avis, non. Mais... Enfin, cette nuit, parce que du coup, ou ce matin, parce qu'effectivement, nous sommes minuit.
Mais oh, je sais pas. Bon, on verra bien. On passe aux questions. Ouais. Bon, allez, bah les gars, la bonne nuit, hein. Comme d'hab, et plus. Allez.